bienvenue dans Riche versus Pauvre, volume 2. Après avoir acheté appartement, voiture et tenue, l'objectif d'aujourd'hui est d'acheter un hélicoptère et un avion. Unwin le pauvre a 250 000 dollars de budget. Quant à celui de la salle, il est illimité. Comment vont-ils se débrouiller? Ce que nous allons voir tout de suite. Salut tout salut et bienvenue dans la suite de 24 heures riche vs pauvre sur GTA 5. Donc les gars, je sais que vous attendez cette vidéo depuis longtemps et vous avez kiffé le premier épisode. Donc là c'est le deuxième épisode, donc cette fois-ci la salle est toujours en riche et moi je suis toujours en pauvre. Donc on a comme objectif la salle d'acheter un hélicoptère et d'acheter un avion. Donc moi j'ai un petit budget forcément et la salle, il a un budget comme d'habitude, budget illimité. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche, à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Sachez un truc, c'est que on a fait une marque de vêtements pour ceux qui savent pas. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à voir. Je vous montre des petits aperçus, voilà, par-ci par-là. N'hésitez pas. Je sais que vous kiffez. Moi perso, mon préféré c'est celui-ci avec la Terre et les astronautes. La salle. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis ready. Je t'attends. 3, 2, 1. Je prends la caméra. Bouh, je la mets ici. Je prends ma manette et let's go. La salle. Alors, moi je suis le pauvre. Donc forcément là, tu vas devoir te mettre dans ma vie. Donc, en tant que pauvre, la salle, je vais devoir malheureusement pour toi appeler un taxi. Tu t'en doutes que moi j'ai pas les moyens, la salle, j'ai pas de voiture de luxe. Voilà. Ah ouais, les pauvres ils appellent des taxis. Alors, je vais commander mon avion, la salle, je t'invite à faire de même pour ta part. Alors, tu vas aller dans voyage et transport, on va aller dans Helias. Alors, bien évidemment, on a le dodo qui coûte 0$, parce que forcément, on fait partie du machin. Mais on va pas le faire. On va prendre l'avion le moins cher de GTA 5. Donc, c'est le Cuban 800 que j'ai déjà acheté. Donc, voilà. Pour ceux qui se demandent quel est le véhicule le moins cher de GTA 5 en termes d'avion, c'est celui-ci. Et on va le tester, la salle. Personnellement, ça y est, je l'ai acheté, la salle. Et on va où? Alors, si tu l'as demandé. Faut que tu me dises on va où, que je lui dise. Va à l'aéroport, mais l'aéroport. Oula. Je sais pas il va où par contre, c'est pas trop là hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu la salle. Le taxi est perdu. Tu sais que c'est moi qui suis en train de le faire avancer doucement là. En fait je fais arrêter, démarrer. Et à chaque fois que je fais démarrer il accélère un petit peu. A few moments later. Ah, ça y est. Waouh. Oh là 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 là. Il a un problème, hein, sérieusement. Je crois qu'on a un taxi fou, les gars. Hein. Alors que, tu sais, on était à l'aéroport, là. Il y avait juste une ligne droite à faire. Je pense qu'il doit quand même suivre. Il respecte le code de la route, la salle. Bon, moi, il le respecte pas forcément, là, en montant la montagne. Taxi dans GTA 5, c'est pas la joie, hein. Non, non, ils ont une intelligence artificielle un peu dégueulasse. On espère que dans GTA 6, ils seront pas comme ça, la salle, quand même. Non, mais dans GTA 6, j'espère qu'ils pourront prendre des décisions eux-mêmes. Ah, t'imagines, genre, tu lui dis, va là, il dit, non, dégage. Il dit, j'ai pas le temps, j'ai d'autres clients, ce serait magnifique. Je pense que tu peux l'arrêter là, dans quelques minutes, je te dis. Quelques minutes, il y a le temps, tranquille. Mon hélico. Là, stop. Ok, il est là, mon avion. Il faut sauter ici. Est-ce que t'as déjà essayé de sauter genre tu vois dans la base comme ça? De là-haut non. On a jamais testé hein, regarde. Hop. En même temps on peut passer par là quoi. Eh ben écoute la salle, je t'invite à monter à bord de mon avion de luxe. L'avion le plus cher de GTA 5. Mais déjà, posséder un avion en tant que pauvre, c'est énorme. Hein. Ouais, je sais, j'ai un petit peu investi, quoi. Mais voilà, on montre quand même que si vous voulez un avion en tant que... Si vous n'avez pas de sous, en gros, sur GTA 5, et vous pouvez acheter ce petit avion qui coûte 240 000. C'est le moins cher de GTA 5. Voilà, tout simplement. Après, si vous voulez monter dans les avions un peu plus luxueux, déjà, est-ce qu'il a une bonne vitesse, là, ça? Ouh, ça. T'as vu comment il tremble? Ouais, ouais. Il est. Ouais, c'est pas la joie, quoi. Hein. Je vais voir l'intérieur.
Mais c'était vraiment le moins cher celui-là. Ouais, ouais, c'est le moins cher. 230, 240, je crois. Il y a le dodo aussi, tu vois. Mais il coûte 0$. Mais par contre, c'est parce qu'on a la promo, tu vois. Donc on a le, la collab là, qu'ils ont en Rockstar. Mais sinon, il a du mal, le l'avion. Le l'avion, il a du mal. C'est vrai. En arrière, hein, peut-être ça fait un truc. Wouhou! Oh oui! Là, tu t'es dit, on va mourir. À fond! Ce que je propose, c'est un atterrissage. En ville. Qu'est-ce que t'es prêt à ça? I'm ready! Ah, en ville en plus. C'est chaud quand même, hein. Ok, voilà, on a atterri en ville. Où est la police? Appelle Esther. C'est bon? Ok. Alors, maintenant que je vous ai montré du coup l'avion que j'ai acheté en tant que pauvre, cet avion le moins cher de GTA, parce qu'il est vraiment horrible, il est très très moche, pas vous mentir. Mais il est grand, tu vois, je sais pas si on peut le custom, il peut être pas mal. Il peut être agréable. Et du coup maintenant la salle, l'hélico, est-ce que tu te souviens de la technique qu'on faisait avec l'hélico? Est-ce que tu te souviens? La technique qu'on faisait avec l'hélico, quand on l'appelait, quand on le prenait là? Voilà, moi j'ai pas d'argent. Maverick. Parce que j'ai dépassé mon budget, j'avais 250 000. Et malheureusement je peux pas m'acheter d'hélicoptère, j'ai plus le budget. Donc je vais devoir utiliser la technique qu'on faisait tous, hein, je pense. Si vous l'avez fait dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, vous mettez je suis dans le crew. Donc voilà, vous allez sur votre téléphone, vous allez dans Merryweather et vous allez tout simplement appeler ramassage en hélicoptère. Ça va me coûter quand même 1000$, mais vous allez voir que la technique est pas mal. On l'a tous fait. Quand on a eu GTA 5, on l'a tous fait ce truc, cette technique. Et ensuite, les gars, on se téléportera dans la vie de riche avec la salle. Et je peux vous dire que la salle, quand elle est riche, et ben c'est chaud. Donc, tu le butes ou je le bute, la salle? Vas-y, bute-le. Ah, il pourra pas descendre. Oh, il a bloqué la route. Faut s'enlever, c'est tout. Allez, descend. Ok, il est descendu, donc c'est simple. L'hélicoptère, alors sachez que on peut, si vous avez envie de faire le kill, tout simplement vous donner une position et il vous emmène. Mais moi, ce que je fais, c'est hop, je le vise, pam, on le bute. Et tout simplement, on a accès à l'hélico gratuitement. Enfin, 1000$. La salle, vas-y, monte. Ok. Oula. Ouais, il y a trop de voitures. Ouais, il y a trop de voitures. C'est trop. Donc ça, c'est l'avion. Enfin, c'est l'hélico. Déjà, je crois que c'est l'hélico le moins cher quand même. Là, ça, je suis pas sûr. Pour nous, oui. Forcément. Il me semble que c'est l'hélico le moins cher. Et du coup, en termes de vitesse, c'est assez catastrophique. L'intérieur, on va quand même montrer l'intérieur. Oh, quand même, on a les pieds dans le vide. Hein. C'est basique, quoi. Et aussi, on a derrière 3 places. Enfin, je crois que c'est 2. L'hélico, c'est 4 places, non, la salle? Je suis pas sûr, c'est 4 places. Ouais. Okay. C'est ça. Et bien voilà, donc pour ma part, donc on va se téléporter tout de suite. Let's go, teleportation dans la vie de la salle. Et bien du coup, on est reparti cette fois-ci. On a de la money, les gars. Et du coup, la salle va devoir acheter un hélico et un avion. Et je pense que vous allez kiffer. Mais déjà, on va monter. Hein. On n'est pas en taxi. Hein. Je veux dire, on est dans du luxe. Quoi. Ah oui. Pas mal la salle. Si vous voulez bien monter, monsieur la salle. Bonsoir. Je suis le valet de la salle. Veuillez entrer dans son Hummer limousine. Il arrive tout de suite. D'accord. Bah écoutez, je peux conduire? Ouais. Mon valet, il t'a dit d'entrer dans le véhicule. Ouais. Bah écoute. Je voulais monter derrière, mais je sais pas si c'est possible, vous aurez peut-être une personne en plus. Tu peux. Ouais, tu peux, t'inquiète. Ah ouais. Ouais, donc ça c'est un Hummer limousine qui a été donc déposé par mon valet. Ouais, d'accord. Bah écoute, magnifique, hein, je suis... Il y a du champagne, c'est du champagne doux, ça? Voilà, tu peux visiter l'intérieur, donc c'est du champagne d'Alaska. Ouais. C'est-à-dire puiser directement dans la glace. Ah mal ça, j'apprécie. On l'importe frais, ensuite on le réchauffe à 100 000 degrés. Ah ouais, carrément. Comme dans un volcan, non? Peut-être. Alors,
T'as deviné, effectivement, 100 000 degrés, hein, c'est pas atteignable à la maison, hein, ça on le savait, mais ça reste quand même un secret. Bon, tu l'as deviné, mais c'est secret, faut pas le dire. Effectivement, on le cuit directement à l'intérieur d'un volcan. Ah ouais, magnifique. Puis on le ressort, on le trempe dans de la glace farcie, généralement farcie soit à l'huile d'olive ou soit à la dinde de colza. D'accord, ok. Parce que moi je fais pas que ça habituellement, c'est pas de la dinde, moi, c'est du poulet. Allez-y, montez, je vais monter derrière. Du coup, alors là, ça c'est mon Luxor de luxe. Donc l'avion le plus cher de GTA 5, c'est ce qui se demande. Hein. Effectivement, donc pourquoi il est cher? Est-ce que tu veux que je te le dise? Non. Alors, vas-y, dis-moi. Parce que c'est de l'or, mais pas de l'or comme on en trouve ici. C'est pas du 18 carats, c'est pas du 24 carats. C'est du baccarat. D'accord, ok. Donc par c'est contre, je sais pas si vous avez remarqué, monsieur, puisque vous êtes riche, hein, donc je vous tutoie, je vous vois comme vous voulez. Eh ben, voilà. D'accord, bah je vous vois. Alors vous avez quand même un très beau véhicule, mais par contre, ah mais moi, attendez. L'intérieur, je vois il y a une champagne derrière. Attendez. Moi aussi, je vous vois. Vous pouvez continuer. Ouais, d'accord, j'ai compris. Effectivement, je vous vois aussi actuellement. Et donc, j'aimerais bien aller derrière la salle. Ça peut être pas mal, mais je peux pas changer de place. Donc, d'accord, ok. Bah, l'amazement que m'appartenant, j'ai le droit de faire ça. Voilà. Pourquoi pas. C'est à moi, je fais ce que je veux. Oui, parce que je sais que vous avez acheté la Maze Bank récemment. Exactement. Ça, voilà. Et j'aimerais bien quand même visiter votre hélico, si ça vous dérange pas, monsieur. Oui, alors on va se poser. D'accord. Et vous allez passer à l'arrière. Ou sinon, vous pouvez le faire dans les airs, hein, c'est vous qui voyez. Comment je peux faire? Avec la manette de droite ou gauche ou peu importe, utilisez celle que vous voulez. Sinon je me pose. Attendez, vous préférez quoi de... Pose. Il me semble pas, que ce n'est pas possible. C'est parce que votre ceinture est trop attachée, ça. Laissez-moi me poser. Alors bon, j'ai acheté cette montagne sur votre gauche. Ouais. Du coup je peux me poser dessus quand je veux. Et vous voyez l'antenne là-haut, c'est parce que je capte la 15G. Voilà. Oula, nous on est encore à la 4G. Ah oui, non, mais il n'y a que moi qui l'ai dans le monde. J'ai payé une fortune pour ça. Hein. 2,50$ sur Amazon. Très... Ça va, c'est dans mon budget. Non, c'est pas 2,50$ d'aujourd'hui. Ah, c'est 2,50$ de l'époque, oui, du Moyen-Âge. Donc, okay. C'est des pièces qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est pas mal. Après, moi, je tiens à vous dire quand même que, bon... J'ai toujours rêvé de la vie de luxe ici à Los Angeles, hein. Mais j'ai pas les moyens, quoi. J'essaie d'acheter des avions, des choses comme ça, mais ça reste dans du basique, quoi. C'est peut-être parce que quelque part vous avez un accent. Vous pensez? Oui, un accent c'est rédhibitoire, rétrospectif. Et parfois substantiblement sceptique. Ah d'accord, ok. Voilà, on se pose où? On ne se pose pas, c'est-à-dire que en fait c'est la piste qui se met sous nos roues. Et pas nous qui allons sur la piste, voilà. D'accord, ok, c'est pas mal. Voilà, donc là la piste s'est soulevée, vous l'avez pas vu, mais hop, elle s'est soulevée de... 1 mètre vers le haut. Ouais, j'ai vu ça, j'ai cru voir ça. Waouh, magnifique. Et non pas de 1 mètre, de 1 mètre. Hein, ne confondez pas. Ah, oula, attendez, ah bah si vous voulez descendre, faut le dire. Hein. Faut le dire. Attendez, hop, voilà. Code de triche avant, arrière, haut, bas, double salto. Ah, là je vois mieux. Triple loot se piquer. Vous me laissez conduire? Alors on dit piloter pour un avion, c'est-à-dire qu'un avion ne se conduit pas vraiment. Effectivement, ça se pilote, c'est comme une voiture de luxe, on va dire. C'est ça, c'est... Rappelez-vous un jury au pilori.
je sais que vous vous souvenez. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Cela ne nous regarde pas. Car les téléspectateurs eux-mêmes. Vous êtes content de piloter ? Eh bien écoutez, je suis content de piloter et nous allons, si je vous propose bien, d'aller chercher votre hélico. Je vois qu'il s'affiche sur la map. Je vais essayer de faire un atterrissage en douceur. Ce qu'on appelle un atterrissage en pique. Hop, nous activons les roues au dernier moment, les roues en or. Et là, hop, normalement, si tout se passe bien, on devrait atterrir. Et voilà. Vous avez vu ? Parfait, parfait. Je suis quand même. Quel atterrissage. C'est des années et des années d'expérience. Donc voilà, du coup maintenant, la salle, l'hélico le plus cher de GTA V. Tout à fait. L'hélico le plus cher de GTA V. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je t'invite à monter dedans. Eh ben, je m'invite à monter dedans. Donc, c'est le Swiftor Deluxe qui coûte 10 millions. Pas sûr. Voilà. Alors, 5 millions. 10 millions, c'est l'avion. Et du coup, le Swiftor qui coûte... Le Swift qui coûte 5 millions. Qui coûte 5 millions 150 000. 15 millions les deux. Attends-moi. Non, c'était une feinte feintosphérique. Voilà. C'est-à-dire que je allez, feinte allez, montez. Et je refeinte. Et bien évidemment, quand on a du luxe, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire à la salle ? C'est, on peut boire ma magnifique champagne dans cet hélico. Voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est beau la vie de riche la salle. Exactement. Alors, je sais pas si tu le savais, mais cet hélicoptère a une particularité. Ouais. Exactement. Je te laisse boire ton champagne, exactement. Je te permets. Et quand tu auras fini, je t'invite à regarder le véhicule de côté. Nous sommes aux États-Unis. Allez-y, montrez-moi. Donc, en regardant le véhicule de côté, qu'est-ce que tu vois ? Quel animal tu vois ? Un tigre. Un dauphin. Je dirais un sort de dauphin requin. Flipper le dauphin. Donc, en fait, cet hélico est capable d'aller sous l'eau. D'accord. Et de remonter. Il coûte 5 millions, il peut aller sous l'eau aussi. Donc, regarde, on fait le test. Il va aller sous l'eau puis remonter. Tu es prêt ? Ouais. Et allez, c'est parti. Allons sous l'eau et wouhou ! Ouais. Et ça en marche. Principe... Je veux dire, ça marche. Alors, en principe, il est censé remonter, mais là, j'ai pas activé justement la manette qui permet de... Non, mais je comprends, t'inquiète, c'est normal, c'est normal. Mais t'inquiète, on va aller sur la... On est à proximité de la Terre ferme. Oui, c'est bon, ça... Et du coup, pas mal, j'ai bien aimé vos hélicos. Exactement. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. On va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est pas déjà fait, les gars. À mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. À me suivre sur mon Instagram. J'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis au bye.